Salut les dégueux, la 3D des 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 dégueux, et la 3D des dégueux. On tient un truc là. Ouais, on tient un truc. On n'a jamais la fin du générique. Hein. On s'arrête toujours au milieu du générique. Mais il est trop long ce générique. Oui, c'est ça. C'est trop long. C'est ça. Mais il est trop long ce générique. Oui, c'est ça. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Politique. Nous accueillons aujourd'hui... Ferd. Comment ? De quoi ? Tu disais quoi ? Non, je lui disais qu'on va bientôt remettre l'épisode en marche, mais que pour l'instant, on faisait une pause pour dire... Oui, en marche. Ouais. En marche. Mouvement en marche. Voilà, mouvement, voilà. Macron compatible. Nuit debout. Ce stream est Macron compatible. Abonnez-vous. Voilà, parce que ce qui manquait à ce stream, c'était de la politique. Ouais, des notions de politique. Voilà, c'est ça. Et de droit commun. Voilà, exactement. Je pense qu'un petit peu de géopolitique, ça permet de se forger une fanbase. Et vous, la libération de la Catalogne, qu'en pensez-vous ? Laissez un commentaire, abonnez-vous. Et c'est ainsi que j'ai perdu tous mes followers. J'ai pas de mots. C'est ça, la France Insoumise ! C'est ça ! Voilà, tu as eu l'argumentation posée de Fred. Car je ne sais pas quoi dire, je sors Mélenchon. Belle argumentation sortez de votre, gauche. Sortez votre Mélenchon. Ce n'est pas le comment qui va te faire avancer, mais le pourquoi. Mais le pourquoi. En fait, elle, c'est Le Pen. Ils sont dans les villes, dans les campagnes. T'as décidé de balancer la politique là sur le stream. Toute la politique dans ce stream. La politique, c'est pas automatique. Parle-en à ton médecin. Mais c'est toi qui me les donne les. Oh non. Attendez. Revenez. Reviens. Quoi ? Reviens. Qu'est-ce qui se passe ? Oh là là. Reviens. Lui là. Comment il s'appelle ? Alistair Smith. Non, mais en politique. Putain. L'Auvergnat. La salle ? Genre la salle ! Tu trouves pas ? Putain, on s'en pense avec moi, la salle ! Non, arrête, je vais voir que ça maintenant ! Non, mais sérieux, regarde la salle ! Oh non, Alistair la salle, c'est horrible ! Alistair la salle, il parle pareil en plus ! Oh non, tu viens de me ruiner le truc ! Il n'y a plus que deux personnes sur le stream, on a perdu tout le monde ! Merci beaucoup ! Ferd ! C'était l'Instant Politique avec Tani. Il est tenu. Par contre, pour un mec qui est paraplégique, ça va, il a chouette des abdos. Oh yeah. Et on t'a jamais dit que la chaise, ça faisait les bras ? Ça faisait vachement penser aux antennes de Namek, mais dans le dos. Oui, c'est vrai. Oh putain, t'as vu les sourires super maléfiques ? Un ghost. Oh là ! Millions de dollars. Regarde-moi ces beaux gosses. Magnifique. Je sens un danger. Des années de célibat devant moi. C'est nul. Ouais. On a trouvé une Dare Face pour Norman Osborn. Ah. Le mec est pris sur le fait en train de regarder des vidéos de Fury, tu sais. Bah, des vidéos un petit peu sales avec des gens en costume d'animaux à fourrure. Ah, pas du tout. Non, pas des vidéos pas avec des Fury. Pas des trucs de colère. Non, Fury. Non. Ouais. Pas de Kung Fury, non. Objectif, vengeance. Il l'a dit à haute voix. Ah, du coup, il a accompli quand même l'objectif. C'est ça.
Mais c'est comme s'il avait dit Alistair Smythe, le retour. Et là, les gens sur le stream se demandent pourquoi il y a double face. C'est un crossover. Il n'avait pas les droits. Du coup, non, ils l'ont appelé par un autre nom. Ouais. Ils l'ont appelé deux personnalités. C'est vrai? Non. Mauvais atterrissage. Tu ne le fais pas gratos pour moi, Ferd, pour un ami de Kalein. Les amis de mes amis sont mes ennemis. C'était bien essayé. On va laisser ces gardes de sécurité là, parce que ce sont des personnages très très secondaires, ils peuvent mourir. Venez dans le taxi. Je t'appellerai plus tard. J'ai besoin de réfléchir. Quoi? Mais Marie-Jeanne, où vas-tu? Vous voulez bien me déposer, Spider-Man? Je voudrais prendre l'air. Oui, bien sûr. J'ai besoin de réfléchir, Harry. Oh, Spider-Man, emmène-moi. C'est chaud. Oh, c'est vraiment... Stop it! Ah bon? Et qui est le Rosélie? Oh, j'aperçois des taxis. Vous pourriez me déposer? Cockblock numéro 3180. À bientôt, Spider-Man. À bientôt, Marie-Jeanne. J'ose espérer que l'heureux élu s'appelle Peter Parker. Non. Et quand pourrais-je compter sur le reste, mademoiselle? Eh, hey, c'est Stumstone. Ouais, c'est Stumstone. Stumstone. Oui, je préfère. Ah, et c'est la fille de machin qui est. C'est la fille de Silverman. Ouais, c'est Silver Girl. Ouais. Oh, Tombstone, n'oubliez pas de récupérer aussi. Oh, Tombstone. Oui, je m'en souviens bien. Je voulais même sortir avec elle. Tu as eu de la chance que ça. Sérieux? Oui, il a essayé de pécho toutes les filles de la série de toute façon. Ah, mais ce sont les enfants du bus magique qui ont grandi. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Attends. Est-ce que t'as vu le plan où Tombstone fouillait dans la chambre de Peter et il y avait genre le costume de Spider-Man qui était accroché là? Oui, mais il l'a vu. Bah, apparemment, j'ai cru qu'il l'avait vu, mais apparemment, il a pas dû le voir. Bien sûr. Mission failed. We'll come next time. Oui, bien sûr. Tu me le feras tôt ou tard, Ferd. Oula, attention, hein. Il a des moyens de pression, attention, c'est il, ça ouais, il fait la pression, là. Bonhomme, il n'y a qu'un seul mec qui me met la pression, et c'est le barman. Alors, t'es gentil, je rentre chez toi. Et plus jamais tu ne manques de respect. Sinon, je sens que je vais revenir, et je vais casser des gueules. Je clore, je vais te mettre la misère. Je vais te mettre chaussettes. Quoi que ça implique, est-ce que ça veut dire? Ok. Tu vas nous faire une Depardieu? Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu me diras merci. Plaisante jamais avec ces choses-là. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras.